Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Batman Arkham Origins. Donc, on est parti. On avance. Alors, donc ici, je crois qu'on avait repéré qu'il y avait pas mal d'ennemis lors du précédent. Alors, où sont-ils? Où sont-ils? Et où doit-on aller? Alors, par ici, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Parfait. Par ici, on est où? Par où s'accrocher? Ok, donc ça sera pas par là. On continue dans la prison de Blackgate. Et là, on a une dizaine de blaireaux. Bonjour les blaireaux. Salut les larbins. Oh ça! Je vais te découper en fine tranche. J'ai sa maman va chialer quand elle verra ce que j'ai à faire. Oh la vache. Ça va être compliqué, ça. Encore. Ah, mais... Ah, on met... Massacré ! Bouge pas ! Prends ton temps. Je bougerai pas d'ici. Il nous fait passer pour... Va lui montrer que... Je vais savourer chaque minute de ton calvaire. Ta maman va chialer quand elle verra ce que j'ai. C'est si difficile de jeter un cinglé. Nombreux. Tu vas pas taper celui que je veux qu'il tape, c'est... Direct le Père Noël. Non. Je tiens. Qu'est-ce que tu veux? Ça va être mon jour. Poursuivez-le. Je vais découper. Allez, toi, dégage, j'ai autre chose à faire. T'inquiète, t'auras ta dose. Pourquoi? Ramasse pas ce truc. Voilà, hop, ça c'est fait. J'en aurais un peu chié, mais c'est fait. Ouf. Et niveau supérieur, on va le prendre tout de suite. Hop, ce sera fait. Alors, on va prendre quoi? On va prendre, c'est quoi ça? Élimination silencieuse rapide. Ils sont désormais plus rapides, ceux qui vous laissent. Ah ouais, ça serait bien ça. Hop. Voilà. C'est fait. On a pris nos points. On a mis une branlée à tous ces nazes. À tous ces larbins inutiles. Et donc on va continuer à avancer. Et nous voilà arrivés. Alors, voilà qui prend le. Libère-le. Je ça va être vraiment compliqué.
Tu as eu l'occasion de me laisser mourir et tu n'en as pas profité. Je suis prêt à parier que tu le regrettes maintenant. J'ai tué énormément de monde. J'ai mis toute la ville à genoux. J'ai anéanti les forces de police et ce n'est même pas encore l'heure d'ouvrir les cadeaux. Ok. La ferme. T'inquiète, je vais t'aider à ouvrir les tiens de cadeaux, mon grand. Allons-y. C'est bon, d'accord. Tiens, ce que notre ami Bane tient dans la main, c'est un moniteur cardiaque. Une fois activé, tous les battements de son petit cœur vide chargeront la batterie de cette chaise électrique. Et une fois chargé à fond... Donc, soit tu tues Bane... Non, je ne le tuerai pas. Tu le feras. Tu m'affronteras de toutes tes forces, ou tu mourras. Quelqu'un est sur le point de mourir. Toi, moi, ou le clown. Le choix de l'identité de la victime est entre tes mains. Le choix est fait. Je te laisse le charger pour me tuer, et après je te tue toi. Un homme avec du cœur serait chez lui, à pleurer son vieux serviteur et fidèle compagnon. Ok, c'est quoi ce plantage ? Et pourtant, tu es là. Bah ouais, je suis là, mais... je suis pas là, c'est quoi ce délire ? Bah ouais, mais là j'ai pas vraiment le choix en fait. Il y a eu un de ces bugs là, mais j'ai pas compris. Un homme avec du cœur serait chez lui, à pleurer son vieux serviteur et fidèle compagnon. Eh, hey, mais c'est bon là. Tu es là. Tu dois m'affronter. Oui, précipite la fin. Oh, dans la cuisine d'un fast-food. Tu vas prendre ta race. Au, 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 au. Au. Putain. On ne l'arrête plus. Oh bah oui, d'accord. D'accord. Alors, à 15 FPS, je vous garantis que c'est pas évident, quoi. Je suis très déçu. Purée, vivement que je refasse ma config, parce que là... Que je refasse mes réinstalls, parce que là, c'est ingérable. Un homme avec du cœur serait chez lui, à pleurer son vieux serviteur et fidèle compagnon. Et pourtant, tu es là. Tu ne peux pas fuir. Bah attends, jusque-là tu me fais trembler le sol, espèce de bouffon. Je vais mettre fin à tes souffrances. Ta vie m'appartient. Ça sera tout. Il ne peut acheter ce mur que dans la cuisine d'un fast-food. Allez. Ah mais... Putain.
Voilà. Attends. C'est le type là-bas, tout en noir. Mais non. Putain. Attention, Bane. Ne faut pas toucher ça. C'est mauvais. Oh mais non. Oh mais... Putain, il a pas pris de l'eau à cause du lac, c'est pas possible ça. Bouge plus! C'est à toi qu'il faut dire ça. Attention, Jim. Quand cette chaise démarre, elle balance 2000 volts. Ça vous tuerait. Inutile de... Jim. Assieds-toi, mon grand. On va griller ensemble comme deux tartines de pain au petit-déj. C'est bon, Je charge à 250. Eh ben, on va... Oui, je voudrais repartir ton cœur. Et je te tuerai encore. Allez, en espérant que tu trouves dans la mort la paix que tu n'avais pas vivant. Je ne cherche pas la paix. Bla bla. Oh bug, super, non? Je peux utiliser des gants électriques pour arrêter temporairement le cœur. C'est mon seul espoir. Ah merde! Qu'est-ce qui va se passer, Jimmy? Ah mais pourquoi vous mettez autant d'ennemis aussi? C'est juste pour provoquer des lags quoi. Oh merde! Voilà. Ouais, strictement rien. Oh mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas, putain? Ah, ouais. Désolé, mais c'est frustrant quoi. Avoir une carte graphique, c'est plus que la mienne. T'as pas le boulot comme ça, c'est vraiment... C'est éprouvant. Il a réussi. La partie est finie, Joker. Libère le capitaine Gordon. Ouais, lâche ton flingue, cinglé. Mais moi, je vais pas te lâcher. Gordon! Ça, c'est l'esprit de Noël. Bon, j'adorerais rester pour célébrer ta victoire, mais j'ai des chaussettes à remplir, du gui à suspendre et environ 15 gratte-ciel à faire sauter avant l'aube. Ciao! 15. Hallucinant. Heureusement que vous aviez un gilet. Il a pris mon arme.
Gordon, oui, Joseph, j'ai besoin de vous pour arrêter le Joker. Besoin de nous? Mais c'est vous le grand justicier. Ou est-ce qu'une mort vous suffit pour ce soir? Bane est en arrêt cardio-pulmonaire. Je dois faire vite si je veux le ranimer avant qu'il soit trop tard. Alors, vous ne l'avez pas? Ce n'est pas ma façon de faire. Filez. Bon, de toute façon... Voilà, parfait. L'épisode. Alfred, que savons-nous sur le TN1, le composé que j'ai trouvé dans le labo de Bane? Je vais aller me renseigner, monsieur. Maître Proust, si vous n'éliminez pas Bane dans les 10 minutes, le TN1 qui vient de s'injecter. Donc, bah, gros bisous à tous, et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures, en espérant que je vais réussir à récupérer un peu de FPS d'ici là. Voilà, gros bisous à tous et à demain. J'ai besoin que vous sécurisez toutes les